اللَّقَى واضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به لِلصَّالِحَاتِ وَلِلْمَكَارِمِ والتقى نور على مر الزمان تالقا واضاء لي الدنيا طريقا مشرقا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خَيْرُ سر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وتبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد. المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسمي ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقيه الله في الارضين الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف رب اشرح لي صدري ويسر لي امري

c'est quoi le parole Je vous annonce que le parole ça c'est le Coran et Majid. ça c'est n'importe quelle parole, ça c'est le Coran et Majid et les paroles d'Allah, Paroles de notre bon Dieu, ça c'est nour, lumière, ça, de la part de Allah. Wa Mais ces paroles-là, ce n'est pas Allah wa directement, il a dit ça.

Quand on parle par exemple on amène cette ayat là parce que quelquefois on parle avec Jean devant tout le monde devant le peuple par exemple mais le parole c'est pas trop 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 clair par exemple pour tout le monde non on demande à Allah, c'est pas que moi je ne vais pas parler, non, je parle à Allah, mais le parole, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Bon, je demande à Allah, il va enlever le problème de la langue, que quand je parle, ça va être clair pour tout le monde. C'est ça le parole. On demande à notre bon Dieu aussi, parce que la poitrine, tout ce que Allah il envoie ici. Nos problèmes, c'est ici. Même les philosophies de, de Ma'atam, quand on fait Ma'atam, on, on frappe la poitrine comme ça. C'est quoi ça? Ça, ce n'est pas seulement ambiance. Hein? c'est pas que ambiance, par exemple, on frappe la poitrine. c'est pas ça. La philosophie, c'est qu'on frappe nos poitrines. Pourquoi On demande à Allah, c'est le mot Vraiment, c'est lourd. Ici, c'est lourd pour nous. Dans notre cœur, dans notre poitrine, vraiment, c'est lourd. C'est ça la philosophie de, de Ma'atam, quelquefois. On ne prend pas que Ma'atam, c'est ambiance. Cela veut dire tout le monde, il faut, moi, je fais aussi. Ce n'est pas ça. Ça, c'est marque pour le mu'minines. Même. Hazrat Zainab, il a fait ça. Et ça aussi, c'est Sunnat Hazrat Zainab, on a fait ça. Alors, tout ce qu'on parle, soit Coran et Majid, soit Sunnat Nabavi, soit Sunnat Aima, c'est ça le mieux, c'est ça le bien. commencez-vous de, de prendre ça aussi quand vous parlez. Avant de parler, lire ces trois, quatre ayats-là avant de parler. Bon, aujourd'hui, on rentre aussi sur le mot arabe. Le mot arabe c'est très bien. Quand vous parlez l'arabe, cela veut dire vous parlez de Coran le Majid. Quand vous connaissez l'arabe, cela veut dire vous connaissez le Coran le Majid. C'est ça l'objectif. On prend l'arabe ici pourquoi Hein On vient ici dans le Kodia Radio Kodia TV, on parle avec vous l'arabe. Peut-être que vous êtes fatigué. Vous dites Cheikh Al Bass. Une fois pour toutes, c'est bien. Mais tout le temps, un mot, deux mots, ça c'est... On a fatigué aussi. Alors peut-être, aujourd'hui, vous voyez pas les conséquences. Mais demain, vous voyez que vous avez appris deux, trois mots en arabe. Vous avez lu, vous avez récité les doigts, le Coran, les Majid Vous avez vu le nom. Alhamdulillah. En traduction de ces mots-là, c'est ça. C'est ça l'importance. Alors soyez toujours prudents à la maison. Alors prenez votre cahier, prenez votre stylo. Alors vous écrivez le mot qu'on on prend ici. C'est très important pour vous et très nécessaire. Vous avez vous allez besoin de ça aussi la prochaine fois. Les mots nous cahiers c'est fini. Aujourd'hui on prend le mot Kiyaman. Les mots Kiyaman, beaucoup de ayat dans notre saint Coran le et ces mots-là aussi, dans notre invocation, dans notre doigt, mafatihul junan, par exemple, vous voyez. Ou dans le hadith, vous voyez tout le temps les mots kiam. Cela veut dire quoi, kiam? Vous utilisez ça aussi euh, dans votre terme quand vous dites, par exemple, qui Kiam, cela veut dire quoi? Kiam, cela veut dire débo. Hein? Opposition, debout C'est ça le kiam quelquefois vous dites qiyam Imam Hussein qiyam Imam Hussein Qiyam Imam Hussein est-ce qu'il était debout comme ça ou quoi qiyam Imam Hussein cela veut dire révolution d'Imam Hussein c'est ça le qiyam ou qiyam dans le namaz qiyam cela veut dire reste debout comme ça comme quand on fait takbiratul ihram takbiratul ihram condition de takbiratul ihram c'est quoi il faut reste debout on ne peut pas faire takbir à tous les rames. on est assis comme ça. Kiam, cela veut dire debout. Mais dans le Coran et Majid, Allah, est-ce qu'il utilise ça Ce mot bon, le Kiam ou non Il y a beaucoup de ayats dans notre Saint-Coran et Majid. Je vous donne deux, trois ayats. À propos des Kiyam, beaucoup de hein, par exemple dans les surat al-Furqan, surat al-Nisa, surat al imran tout ça, il y en a les mots Kiyam. Quand vous voyez les mots Kiyam, il faut penser que Kiyam, cela veut dire debout. Même quand on, on a conjugué aussi ça au présent, par exemple, quand on fait sajda, deux sajda, que c'est fini, première rakat... On va faire kiam. On vient sur le deuxième roco. On amasse On dit comment? Bihaulillahi wa kubatihi akum. Akum c'est le mot qui vient de kiam. Moi ça vient de kiam. Akum wa akonod. Cela veut dire je m'élève et je m'assied. C'est ça le avec la force de Dieu, avec mahabbat roda. Avec l'amitié de Dieu, que je m'élève et je m'assis. C'est ça l'objectif de l'islam, c'est ça. Surtout, surtout, on est chiite. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, toujours zékrekhoda dedans. Toujours Dieu dedans. C'est ça le bien dans notre mat'hab. Restez-vous dans cette mat'hab-là. Et on fait doigt pour tout le monde aussi. Bihaq amirul mu'minin. C'est pour le jour de gradir, on fait droit pour tout le monde qu'on reste toujours avec Velayat Ali. Parce que c'est une bonne chose ça, et la meilleure chose. Et le mot Dans notre saint majid, vous voyez dans les sourates Al-Imran. Dans les sourates Al-Imran, Ayat 103. الله تبارك وتعالى أدي بسم الله الرحمن الرحيم رجعتي ست آيات الخان آيات الله تبارك وتعالى أدي الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله ce sont des gens mu'mines ce sont des gens ils font خدا ils pensent toujours à dieu

Yam, cela veut dire debout, et Koud, cela veut dire assis. Les deux mots presque comme les Fakir et Masakin. Tout le temps, quand vous voyez dans le Ayat dans le Coran, le quand notre bon Dieu, il parle de foukara et Masakin, tout de suite il vient avec le Fakira. Bon, c'est c'est pareil entre deux, Fakira et Masakin. Bon, petit différent oui, mais l'objectif, c'est le Fakir, meskin » aussi, c'est pauvre. C'est comme ça aussi, assis et debout. Debout et assis. Coran et Majid a dit Alladine wa Ici, c'est le mot qiyam. Le tout le temps, quand il faisait krekhoda, il pense à Dieu. Ce n'est pas seulement il assis. Alors, quelquefois, quand. On fait Namaz, par exemple, Zekrekhoda. On est debout aussi, on fait Zekrekhoda. Ce n'est pas seulement assis, debout aussi on peut faire Zekrekhoda. khoda dans toute position. Même en dehors, on fait khoda aussi. Alladine yathkurun Allah, qiyaman wa Debout et assis, et à la suite aussi, wa ala. Jounou, bihim, à leur côté aussi. Ils faut Zekrekhoda. Bon, le mot kiyam, c'est ça le prévu qu'on on, on prend. C'est le mot kiyam, cela veut dire quoi Ça, c'est le premier ayat dans les surat al-Imran, ayat 191. Et le deuxième ayat, Dans les surat An-Nisa, le dernier ayat qu'on prend, bon, deux, trois ayats, Inch'Allah, bon, on va rester ici, parce que ça, c'est vous, vous voyez, vous regardez votre Coran et Majid, dans les surat Al-Ma'ida aussi, ayat 97, le mot Qiyam. Là-bas aussi, vous voyez le mot Qiyam, cela veut dire quoi Qiyam Mais le deuxième ayat, c'est les surat An-Nisa, ayat 103. Allah tabarak wa ta'ala a dit, الرحيم. فإذا قضيتم salat. Fazkurullah, qiyamen wa korodan. Subhanallah. Fa'idha, kavayi, tumus, salat. Kavayi, tumus, salat, c'est pas la traduction. On fait kava tout le temps, kaza, kaza quand on fait kava. Kavayi, cela veut dire si vous avez fait kawa Fa'idha, kavayi, salat, cela veut dire si vous avez fini les namaz. Namaz, c'est fini. Ça, c'est Dalil, et les preuves qu'après namaz, il faut faire Khoda. C'est pas bon quand même, quand on fait namaz, après tout de suite on part. Namaz, après zikr, fait tasbih, fait zikr khuda, la ilaha illallah, c'est bien dans notre masjid, tout le temps on fait comme ça. Après namaz, on fait astaghfirullah, alladhi la ilaha illallah, huwa al kayyuma, une ou deux ou trois fois on fait ça. C'est bien quand même ça, vraiment c'est très bien. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا سي vous avez fini الله تبارك وتعالى أدي si vous avez fini vous avez fait namaz n'oubliez pas de faire quoi ذكر خدا mais ذكر خدا soit debout soit assis ça c'est les mots. قيام regardez bien قرآن مجيد حديث et doa Si vous voyez le mot qui aime, cela veut dire quoi Qui cela veut dire débo. Ça suffit pour aujourd'hui, inshallah pour la prochaine dars. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي